Yo, what's up, everybody? How y'all doing? Straight from home, you know what it is. Bon, les gars, incroyable. C'est un truc de fou ce qui s'est passé. Je vous ai expliqué un scoop. Notre cher président de la FECA Foot, Samuel Eto'o, Il a agressé un supporter. Je vous laisse regarder la vidéo. Je vais vous épargner quand même la partie la plus choquante. Mais regardez vous-même. Bon, au début, ça va. Les gens prennent des photos, ils sourient. Ah. Ça va. Il avance. Tiens, il avance comme un riche. Oh, là, il est énervé. Voilà, donc le gars a dû tirer un truc. Il se le fue encima y poco después de que le quitaron la cámara a esta persona, Eto'o lo agredió con una peligrosa patada, al parecer entre el pecho y la cabeza. Il donne son téléphone. Tiens. Imagine, c'est un gars. Bon, je vous épargne le coup, hein. Je vous épargne le coup du foulard qu'il a donné au gars. Franchement, moi, je tiens à dire que. C'est pas parce que tu es une personnalité publique et une légende sportive que tu ne restes pas un être humain. Je suis contre la violence, on est d'accord. On est tous contre la violence, on n'aime pas ça. Mais je pense que si déjà il souriait avec les autres gens, il y a d'autres gens qui venaient prendre des photos et que comme par hasard c'est sur ce gars-là qui s'est énervé, c'est que le gars a dû dire un truc quand même inapproprié et le mec il reste un être humain. Parce qu'il connaît les conséquences de ce qu'il a fait, mais derrière, son instinct d'être humain a pris le dessus, il ne s'est pas contrôlé, malheureusement. Donc, c'est là où il a merdé. Il aurait dû se contrôler parce que, peu importe ce que le gars a dit, même si c'est chaud, il aurait pu contenir quand même son énervement et passer au-delà. Mais non, il lui a donné un joli coup de foulard. C'est un beau geste technique. Quand j'ai vu le coup de foulard là, quand j'ai vu le coup de foulard, franchement, je me suis dit, c'est quand même le plus beau but de la Coupe du Monde. Hein. Honnêtement, je pense que, tu vois, Eto'o il a appelé Francis Ngannou pour comment on donne le petit coup du foulard, comment on donne, hein. Je pense qu'il a appelé Ngannou. Non, ça, c'est un truc de fou quand même. Ça, vous voyez ça, ça, c'est de coup de foulard qui coûte cher. Moi, franchement, à la place du gars, j'aurais accepté. Hein. Un coup comme ça, ça peut te rendre milliardaire. Un coup. Ça, c'est, en plus, c'est le coup de foulard de riche. Quand tu mets le coup, c'est des coups qui viennent du bas vers le haut. Tu vois, tu donnes. Au moment où il te donne le coup, ton compte bancaire se remplit. Qui n'a pas envie de ce coup? Non, dites-moi, qui ne veut pas de ce genre de coup? Ah, moi, j'aurais aimé qu'il me tabasse. Bien, je me couche, je ne me lève plus, j'attends. Attends, je suis désolé. Hey, dans la vie, là, on te dit, quand on te juge sur la joue gauche, dans la joue droite, moi, j'aurais tendu toute ma tête. Ah, non, mais il y a des... Ah, c'est des jolis gestes techniques. Ah oui, mais là, attends, Vincent Aboubakar n'a rien fait. La louche de Vincent Aboubakar, c'est zéro par rapport au président de la FECA Foot. Non, mais vous n'avez pas vu le coup du foulard en lui-même. Je vous invite à aller regarder sur Internet. Vous tapez hein, le coup du foulard d'Eto'o sur le supporter. Vous allez voir que c'est un joli geste technique. Lui, d'être élu homme du match.